Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de World of Horror. On a donc un nouveau cas, un nouveau mystère à résoudre. Donc, Alarming Account of Abnormal Orbs. Donc un compte alarmant, un nombre alarmant de bras anormaux. Found footage. Mémoire d'une... On va faire dans l'ordre, on va prendre celui-là. Je me souviens quand ça a débuté. La femme de la porte à côté a été étranglée à mort dans son lit avec aucun signe d'effraction. Le tueur n'a jamais été trouvé et l'appartement reste vacant. Alors ça, ça me fait penser à, un SCP. Mamie voyante, je crois, ou un truc comme ça, et qui fait qu'il y a des bras qui sortent pour venir choper les gens dans leur... où qu'ils soient. On va enquêter. Alors, la porte était fermée, elle vivait seule. Quel autre moyen il y avait pour rentrer? Vous pouvez... Peut-être que vous pouvez regarder les plans de l'appartement pour comparer avec les autres. Alors, je vais aller à l'hosto. Je vais entrer, je vais me faire soigner. J'ai un peu de temps avant d'être appelé. Je peux aller voir au corridor, peut-être. Entrer dans la morgue. Non, non. Attendez. Non, y'a rien qui change. Voilà, ça me coûte 2. J'ai de quoi level up. Ok, je pars. Et donc maintenant, vu que je peux level up, on va le faire. Vu que j'ai monté d'un niveau, je peux choisir une perk et... Ok, l'amélioration d'une perk et une stat. J'ai pas de perk. Ah si, des perks. Bain chaud, folklore, discipline. Je récupère une stamina, oui, c'est très bien. Et on va améliorer. Est-ce que je peux avoir. Connaissance 5. On va mettre de la force. Voilà, je monte d'un cran. Anatomie anormale. Ah, attendez. On va essayer. On a le doom qu'on commence à monter. Comme part de la thérapie, certains patients doivent prendre part aux classes artistiques. Il y a quelqu'un là-haut. Certains de leurs travaux vous fichent la frousse. Ma santé mentale... Quand le patient est arrivé à la maison un matin, couvert de griffures et parlant d'alien, la police l'a embarqué. Il murmurait quelque chose silencieusement pendant que vous passiez. Check de charisme est raté. Je perds 2 de stam. Donc, musée anatomique... Archive du musée d'anatomie... Donc, spécimen... Ah ! Apparemment, ils ont... Il y a eu... on a trouvé un spécimen avec des bras allongés et des os gélifiés. J'ai
peut-être d'abord aller me reposer. Je récupère un peu. Il me faudrait les plans, mais je sais pas où je peux les trouver. Vous vous demandez quel genre d'animal l'araignée a chopé dans sa toile. Vous fichez le camp, vous vous effrayez, faites fuir le prédateur au milieu et ouvrez le cocon pour révéler un doigt humain. J'ai plus un dex et moins 2 de stamina max. Non, je vais pas le porter ce machin. C'est bon, j'ai rien d'autre là. Ouais. L'appartement est au troisième étage, il n'y a pas moyen que quelqu'un ait utilisé la fenêtre pour ficher le camp. Voisin. Je suis vraiment occupé aujourd'hui. Allons nous balayer une autre fois, d'accord? Ah, y a des symboles là qui apparaissent parfois, c'est chelou. On va continuer d'enquêter. Oh non, vous entendez quelque chose à l'autre côté de la porte de votre appartement. Quelqu'un essaye d'entrer. Ouf! Non mais je vois ça, moi je me fais dessus. On va faire un dodge. Mail humain. Ces attaques peuvent aléatoirement mettre le statut concussion, donc sonner. Il y a une rumeur d'un agresseur masqué allant de porte en porte pour passer à tabac les habitants avec une arme contondante. Bah, c'est juste une histoire, pas vrai? Il m'a touché, mais j'ai touché aussi. Ah, il a pris cher. C'est un stalker. Il a pris très cher. Je vais te buter, mon gars. Ah, j'ai pas pu. J'ai... Attendez, c'était quoi ça? Chopé une batte de baseball. Oh! Je m'équipe de la batte de baseball, clairement. Résolution. Ah, vous remarquez l'étrange placement des grilles de ventilation. Elles semblent trop petites pour qui que ce soit, pour que qui que ce soit puisse ramper dedans, cependant. Ok. On va continuer. Hein. Ouf! Ouh la vache! C'est moi ou elle a le crâne fracassé en deux là? Une femme sort en courant de son appartement couvert de sang. Entre deux sanglots, elle essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Elle prenait une douche quand soudain, elle a commencé à lâcher du sang. Donc la douche, elle a commencé à lâcher du sang. Et il y a une trace de sang qui amène dans son appartement. Ok. Primo, la calmer. Elle renifle et sourit faiblement. Vous vous sentez comme si vous aviez réussi à prévenir quelque chose de pire. Vous avez évité le pire. J'aime pas ces deux personnes-là. Vous devriez aller voir les voisins.
Peut-être que vous découvrirez quelque chose. Ok. À mon avis, ça, c'est pour de la piste de chat. On va faire fouiller encore. Hein. Culte caché. Des sombres puissances complotent contre vous. Vous ne savez plus à qui vous pouvez faire confiance. Plusieurs en malédiction. Ah, j'ai concussion, donc jusqu'à la fin, j'ai mal de tête. Waouh, c'est violent le jeu quand même pour ça. Bon. Il y en a une qui n'a plus ses sous-vêtements. Ah d'accord. Continue l'investigation, mais ça va être Doom très vite. Hein. Monsieur Triple Zéro, votre voisin. Je crois savoir à qui il ressemble celui-là. Non, sans déconner, ce serait pas Shinji Ito, justement. Bon, en simplifié, mais. Donc, Monsieur Triple Zéro, votre voisin, est un artiste. C'est un mangaka d'horreur. Oui, effectivement. Voilà, le clin d'œil est bien appuyé. Il est en train de se battre pour réussir à avoir une bonne fin à sa nouvelle histoire. Partagez l'expérience. Incroyable! Comment vous êtes venu avec tout ça? Comment vous avez pu avoir toutes ces idées et trouver tout ça? J'ai moins 15 XP, mais plus 2 en fond. Donc j'ai reçu du fric. Mais j'ai perdu un peu. C'est pas grave. Ah, le second voisin se plaint des drôles de bruits qui arrivent depuis les ventilations. Ok. Le téléphone sonne et donne multiples voix bien trop fortes pour que vous les ignorez. Quand vous entrez dans l'appartement, tout devient silencieux. What the heck? C'est quoi cette horreur? C'est quoi? Attendez. Foutu nez qui coule. 19 PV, etc. Ok. On va faire un dodge. On va faire ça. Ok. Cassie Bianchi, donc c'est une ancienne femelle. Elle a passé, son temps au téléphone. À discuter. C'est normal de le faire pendant de continuer pendant la mort. Ah. If you say so. Alors, il faut check le building, les plans du building pour trouver s'il y a une place qui connecte toutes les ventilations. S'il y a un endroit qui connecte tout. Oui, ben sûrement, si ça se tombe, c'est au sous-sol. Encore ? Nice ring cette fois. La boiler room, on arrive au bout. Voilà. Et c'est là qu'on tombe sur des photos de tétons et de fesses. Vous entrez dans la chaufferie. Et chipoter donc aller vers la tuyauterie, vers le tuyau. Wow. Jurant vous trouver un. Donc tout en jurant un cursing, c'est vraiment. En fait on est en train de jurer une non-tu-tu-tu-tu-tu. Vous trouvez un. Pour allumer la lampe, la lumière.
Et un gaspin horror, je sais pas comment on peut le traduire en fait, vu que c'est le truc, c'est le. Vous voyez, c'est on aspire l'air tellement on est choqué. Et dans un. Ch Bah, il est choqué quoi. C'est pas du tout un tuyau. C'est un long bras faisant le tour de la pièce et s'arrêtant dans. Donc, allant tout autour de la pièce et s'arrêtant à la. Dans la. La grille de ventilation. Enfin, allant jusqu'en dans une grille de ventilation. En vous approchant, vous sentez quelque chose de. Vous sentez une odeur putride et vile, donc vraiment dégueulasse, quoi. Ouf! Oh putain! Fuck. Vous êtes pratiquement tombé par terre quand vous avez trouvé la. Quand vous avez vu les. En tombant face au. Au regard fixe du pervers mort, ses membres allongés. Ses membres allongés apparaissant et disparaissant dans les ténèbres de la ventilation. Vous trouvez une petite clé dans sa bouche. Attendez. Item important, ok. Après l'arrivée de la police, le building entier était en train de chercher. Non, le building entier était fouillé. Suivant les bras, les détectives ont fini par trouver le corps d'un homme bloqué dans la ventilation. Plus tard, il est identifié comme le caretaker, donc le. Pas l'ouvrier, le. Oh là là, je cherche les mots maintenant, ça devient grave. Le concierge de l'immeuble. Donc dans son placard, la police a trouvé des sous-vêtements et des photos de voyeurs. Vous êtes questionné et finalement relâché. Tandis que les cas de meurtre et Attendez, paying cover-up a été couvert par un. A été remplacé par le cas d'une fuite de gaz malencontreuse. Ending A, plus 30 XP, plus 15, moins 5 Doom, plus 1 jour. Ok. Ok. Du coup, est-ce que je peux stocker ça quelque part? C'est ça le problème, il va falloir que je. Ça y est, j'en ai pas. Donc j'ai discipline. Ça c'est bien pour récupérer de la santé. J'ai rien de tout ça. Nice ring, est-ce que ça sert à quelque chose que je le mette? Ah, plus en charisme, on peut peut-être le. Ouais, pourquoi pas. Je remplacerai s'il faut, hein. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, on a résolu le cas de. des armes anormaux. Des armes. des bras anormaux, etc. Je m'attendais à un truc plus gore, mais c'est particulier. C'est très particulier. Bon, on est à 17% ici, donc le prochain cas faudra peut-être un peu cavaler. On va devoir se reposer, se débarrasser. Je me demande ce que ça ouvre, ce truc. Et j'ai l'impression que j'ai pas été très loin dans tout ce qu'on pouvait faire sur le jeu. Enfin, bref, allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.